Ce moment vous est offert par la salle Georges Brassens des Avirons. Ah ouais, par ici. Bien. On est du Théâtre des Alberts, la compagnie Le Théâtre des Alberts. Et on a représenté ce soir Tigouya, un spectacle de marionnettes qui parle d'un petit Margouya qui habite Mafat et qui veut aller voir la mer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué Tigouya dans une salle. Donc on était contents de se retrouver dans un écran de lumière et de jouer Tigouya à un public nombreux. C'est ça, et puis les membres de l'équipe, c'est comme des copains, tellement ils nous accueillent avec les bras ouverts, le sourire, on est bichonnés ici. Et sinon, moi je joue aussi dans un autre spectacle qui fera sa première ici à la salle Georges Brassens, qui s'appelle Bidouille Ex Machina, qui est aussi un spectacle de marionnettes avec une autre compagnie qui s'appelle le Théâtre Mu, qui est une compagnie de métropole. Et voilà, du coup, si vous voulez me revoir, ben, c'est sur ce spectacle-là, le 19 novembre. 18 novembre en scolaire et le 19 novembre en tout public. Merci à toute l'équipe. On espère vous revoir très vite. C'est ça. Merci Migui, Sabrina, merci Simon, hein. Et puis tous les techniciens. Bravo, merci. Merci à vous aussi. Voilà. Pas oublier d'éteindre la télé et de venir voir le spectacle vivant. Voilà. Voilà. Mon enfant, c'est à mon territoire, ça. Il rentre pas comme ça. M'y connais ? Non, c'était très bien. Oui, le petit a adoré. Non, c'était très bien. Un très joli spectacle avec des décors magnifiques, une jolie interprétation, une très jolie histoire, un bon moment. Ah bah, j'ai trouvé le spectacle très très bien. Je suis content d'emmener ma fille parce que finalement ça me plaît autant qu'elle, je pense. Aussi bien pour les grands que pour les petits, voilà. J'ai bien aimé les marionnettes, j'ai bien aimé le paysage de la Réunion, le petit dialogue créole français avec les petites devinettes, tout ça. Et j'ai adoré les pop-up, le décor avec le volcan et tout, c'était très beau. La salle Georges Brassens des Avirons, cultivons l'imaginaire.